reborn. Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix Seigneur soit avec vous. Comme vous le voyez, je ne peux pas sortir. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à vous parler chap, vite, vite, rapidement de cette affaire. Oui, cette affaire de pantalons et des vêtements sexy. Je vais surtout parler des pantalons et les vêtements sexy. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que les pantalons là, les pantalons pour les femmes là, surtout là, ce sont des instruments. En fait, ce sont des choses que le diable utilise afin de pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Je dis, écoutez-moi bien. Je dis, les pantalons que la femme la porte là, et puis ça colle les fesses ça d'une manière là, mais quand vous voyez ça, vous dites, hé, hey, quel chat! Ça là, c'est une chose que le diable utilise afin de pouvoir combattre tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui veulent éviter le péché, ceux qui ne veulent pas tomber dans le péché là. Ce sont des choses que ces gens-là, que le diable utilise pour mettre ça sur les filles, pour mettre ça sur les femmes de ce monde, afin que nous, les frères enfants de Dieu, là, nous ne puissions plus résister à la tentation comme il se doit. Le savez-vous? En tout cas, moi, j'ai vu ça. Tout de suite, là, il vient de voir ça. Tout de suite, là, même. Tout de suite, là, chaud. En fait, que s'est-il passé? Voyez ce qui s'est passé. Moi, je me suis endormi tranquillement. Et dans mon sommeil, j'ai eu plusieurs rêves, en fait des songes, je ne m'y attendais pas. Et parmi les éléments que j'ai vus, je suis tombé sur une image qui m'a un peu étonné. En fait, j'ai vu un homme marcher et arrivé à un niveau, il s'est arrêté. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ha! Il s'est arrêté tout simplement parce qu'il a vu une fille qui était habillé de façon sexy. C'est-à-dire, c'était pas un pantalon, hein. C'était juste une robe courte. Une robe courte. Il suffit seulement de soulever la robe, et puis tout est là. Là, vous comprenez. Maintenant, lui, il a vu, il s'est dit, ah! Quel chat! De la manière, elle est comme ça, là. C'est comme si elle était en train de m'appeler. C'est comme si elle était de m'appeler même. C'est ce qu'il a commencé à se dire. C'est ce qu'il a commencé à se dire dans sa tête. C'est ce que je vous dis. Moi, j'entendais tout. Il dit, ah, t'as mal habillé comme ça là. C'est comme si elle m'appelait. C'est comme si elle me disait qu'elle était prête. C'est comme si elle me séduisait en même temps. Et lui, il n'a rien compris. Il ne la connaissait pas avant. Dès qu'il a vu cela comme ça, il allait sur elle en même temps en debout qu'il. Ah! Et il a commencé à coucher avec elle. Il ne la connaît pas. Il ne l'a jamais vue. Et quand il a fini, moi j'étais là et puis je me disais, mais ah, ça c'est du viol. Ça c'est du viol. Tu vas aller coucher avec une fille comme ça. C'est un viol. Ça là, tu allais prendre 20 ans de prison gratuitement parce que tu as violé une fille ou bien une femme. Hey! Maintenant, j'ai pensé à ça jusqu'à, et puis je me suis levé le matin et je suis sorti. Je suis allé quelque part. J'arrive là-bas, tout est bien. Je finis ce que j'avais à faire, je reviens. Et qu'est-ce que je vois? Ah, je vois une fille. Une fille qui a porté pantalon bien serré ses fesses. Et puis ses fesses me regardent. Ses fesses me regardent comme ça. Ça me regarde. Je dis. Un truc, j'ai vu de voir de mon rêve matin là. En même temps, voici le fesse, mais regarde comme ça. Ça là, a fait ci, l'a fait ci, l'a fait ci là. Si t'es pas le diable, je sais pas de qui. Il dit, toi là, sorcière là. Il n'a pas dit que tu vois ce que les gens voient dans leur sommeil afin de venir les tenter, non? Le feu là, que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu descende sur toi. Que le feu de Dieu descende sur toi. Je l'ai regardé une fois, mais j'ai retiré ma tête pour ne plus la regarder une deuxième fois.
Écoutez bien, le chiffre 2, c'est très important aujourd'hui. Si quand tes yeux sont tombés sur ses fesses la première fois que tu as vu, hein, pardon, fais le choix, toute la force, de détourner ton regard de là pour ne plus la regarder une deuxième fois. Parce que si tu la regardes une deuxième fois, hein, ce qui va se passer après, c'est toi qui l'auras cherché. C'est toi qui l'auras cherché. Donc, j'ai détourné mon regard et quand je descendais, je me disais, mais ah, moi je viens de parler d'un gars par rapport à ce que j'ai vu. Je me dis, mais ah, il allait violer la fille là. Il allait violer la fille là. Ça là, que vous le mettez en prison, ça donne quoi? On va pas vous mettre en gratuitement. Et je me lève le matin, regarde ce que je vois une fille avec pantalon qui essaie de me séduire. Et elle aussi, elle est dans la même position que la fille que j'ai vue dans mon sommeil. Si ça n'est pas une sorcière, c'est qui? J'ai regardé ça jusqu'à dit. Donc voici des sorcières, elles sont là dans le pays où l'homme cherche à évoluer. Elles cherchent à mettre l'homme dans le problème. Elles cherchent à mettre l'homme dans les problèmes, dans les difficultés. Ah! J'ai regardé ça jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que je vous en parle pour que vous puissiez faire attention. Il y a plein de filles dehors qui portent des pantalons. Si ça vous séduit, méfiez-vous. Ce sont, pour la plupart, ce sont des sorcières qui viennent pour séduire. Le diable leur permet d'utiliser les pantalons. En fait, le diable les a servi les pantalons, tout ce qui est sexy, afin qu'elles puissent aller les utiliser pour venir vous lancer des flèches. Quand une fille habite de façon sexy et que tu vois ces deux ballons dans le pantalon, qu'est-ce qui se passe généralement chez toi? Ce qui se passe généralement chez toi, il ne faut plus accepter ça. Faut plus accepter ça, faut plus permettre cela. Faut pas accepter ça. Il y a un problème derrière. Il y a plus de problèmes derrière que ce que tu peux t'imaginer. Et oui. Un gars qui va violer une fille ou une femme, il peut prendre combien d'années de prison? 20 ans de prison. Ça veut dire que Dieu était de me dire par là que, fais attention, les filles qui s'habillent généralement de façon sexy là, méfiez-vous. Parce que le diable est derrière. Déjà, le vêtement qu'elle a pris pour te séduire, le make-up, maquillage, tout ça même qui s'ajoute maintenant. Là. Les loulous, les fesses qu'on va changer, c'est le chirurgien. Tout ça là, ce sont des bombes. Des bombes contre ta vie. Le diable est méchant. Hey, le diable est méchant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est dû à fond des gens. Matin bonheur là, comme ça. Je suis choqué. Je suis encore sous l'émotion. Je suis chaud. Et je vous parle. Vraiment, les chrétiennes, les femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes et qui continuent à s'habiller en pantalon, porter les pantalons, et elles savent que ça séduit les gens. Tiens, arrêtez. Ce n'est pas qu'à cause de toi, l'homme va tomber dans le péché. Hein. Si le Seigneur dit à Dieu, Dieu, si moi je tombe de tout là, c'est là qu'on me suit aussi. Mais à cause des arrivés là-bas, que Dieu ne nous permette pas de tomber dans le trou. Seigneur, pardon, frère, c'est un pauvre. Ne nous permet jamais de tomber dans le trou du diable. Je vous assure, faites vraiment très attention. Très attention, parce que de nos jours, hein, c'est ce qui est à la mode. Les gens s'habillent mal, c'est devenu normal. Mes frères et sœurs, ce n'est plus normal. Ça, ce n'est pas normal. N'acceptez pas que ça devienne normal dans votre esprit. C'est un danger contre votre âme. Parce que ce qui intéresse le diable, ce n'est pas de vous faire plaisir hein, sexuellement. Hein. Non. Lui, ce qui intéresse, c'est de se saisir de votre âme. Et de gagner avec, de partir avec. Faites attention. Voici ce que j'avais envie de vous dire là maintenant, avant de passer à un nouveau suivant. Je veux acheter du daga, la nourriture. Dès que vous allez voir cette vidéo, c'est que c'est déjà de retour. Dès qu'il y a du nouveau, je vais faire la vidéo suivante. Donc, soyez prêts. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça là, retenez cela. Les vêtements sexy, ce sont des éléments que les diables utilisent contre vous. Allez, ils utilisent ça pour vous attaquer. Faites attention. Méfiez-vous. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment mon cœur. La description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur.